Question de nous. Je t'attends, avec un choriste et un guitariste exceptionnel, l'auteur de la chanson. Il fait toujours aussi chaud ici, hein? Oui, mais il faut dire que la chanson, on l'a également. Johnny, lorsqu'on est venu avec Françoise Coquet dans les studios, où a enregistré ce disque, on s'est dit que c'est une chanson formidable pour la scène. Est-ce que ça veut dire que lorsque Johnny va faire son tour sur scène, pour la première ou pour la dernière, il pourra compter sur la collaboration de l'auteur? Bon, ça, je ne sais pas, il faudra demander à Jean-Jacques s'il n'est pas, lui, en tournée parce qu'il travaille beaucoup ou s'il n'est pas en vacances. Enfin, je l'espère, mais je dois dire que j'ai été très heureux de faire ce disque parce que Jean-Jacques m'a écrit des chansons, surtout pour la scène, en espérant qu'elles soient aussi pour le disque. Bon, en tout cas, ça marche déjà très fort. Non, si je pose cette question, c'est que moi, j'ai vu Johnny Hallyday un soir au Zénith chanter avec Goldman.
Oui, mais c'était une chanson qui est devenue presque un classique maintenant. Enfin, des chansons qu'on aime, c'était toute la musique qu'on aime, toute la musique que j'aimais. Tous les musiciens la connaissaient déjà bien, moi je la connaissais bien, donc quand il est venu, il était comme dans son salon, là. Bien, Jean-Jacques va maintenant descendre quelques marches devant les caméras de Françoise Boulin, on va lui tendre un tabouret, car on va retrouver maintenant alors l'interprète de ses propres chansons. Johnny, tu restes avec moi, parce qu'il faut préciser que tout à l'heure, vers 23h, sur cette même chaîne, oui, vas-y, les téléspectateurs d'Antenne 2 pourront voir le clip pour la première fois de cette chanson, qui est due à l'ami Schmitt, qui est un metteur en scène qu'on connaît bien. Bernard, oui. Bernard Schmitt, voilà. Et pour être complet, voilà à quoi je passe mes soirées. J'ai feuilleté ce livre. Johnny, voilà, 30 ans de secret. Si je voulais rendre hommage à ce livre, c'est qu'il a été écrit par Long Chris, et que Long Chris est peut-être, je dirais pas ton meilleur ami, mais un de tes meilleurs amis. Et il a écrit des chansons. Oui, il a écrit les textes de Si j'étais un charpentier. Gabriel, enfin plein de chansons. Ouais. Il vient également chanter ce soir. Et c'est un événement, car ça correspond, son passage aux Champs-Élysées correspond à la sortie d'un double album live, comme l'on dit, qui est l'album du Zénith, qui a été un des grands triomphes de l'année passée. La vie par procuration, Jean-Jacques Goldman. Sans angoisse, la journée se passe, repasse et poussière, qu'a toujours à faire, repas solitaire, en point de repère, la maison si nette, qu'elle en est suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, les êtres ont cédé, perdu la bagarre, les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas, les vivants se fanent, mais les ombres pas. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. D'hiver en automne, ni fièvre, ni froid. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moines ou les pigeons. Ça fait bien loin que personne la touche. Des mois, des années sans personne à aimer. Et jour après jour, l'oubli de l'amour. Ses rêves et désirs, si sages et possibles. Sans crise, sans délire, sans inadmissible. Sur 10 ou 20 pas.